Je me suis inscrit en dernière minute. Et écoutez, on n'est plus que 25 sur 211 au départ. Gross Pete. Yeah, that's me. Welcome. Nice to meet you. Je suis en table finale WSOP, titre du vlog. Dernier tournoi avec un bracelet. Dernière chance d'avoir un bracelet avec 10 blindes. One time. C'est comme ça qu'on va avoir un bracelet. Yeah, I have flush draw. The flush draw is live. Flush is here. Yo, n'oublie pas de t'ajouter des points. C'est la open. Le lot de consolation. C'est tout. Bref, de passer ses rois dames de cœur dans un 1000 euros. Hyper turbo, contre deux rois, truc que j'ai jamais passé dans ma carrière entière, tu sais. Ou peut-être online, si online, je crois que j'ai jamais passé ça en live. Le dernier tournoi des WSOP Europe, je me suis inscrit en dernière minute. Et écoutez, on n'est plus que 25 sur 211 au départ. 24 left d'un bracelet, du coup. Un peu turbo, ouais, quand même, l'average, non, l'average est à 20 blindes et moi j'ai 13 blindes. Donc tout est jouable. Je joue pour le bracelet, c'est parti. Mais dis! Et les gars, il n'y a qu'un bracelet. Hein. Petit poker menteur ou quoi? Petit poker indien? Indian poker? India poker? Il n'y a qu'un bracelet, les gars. Il n'y a qu'un bracelet, je dis juste. Tom, GG, congratulations for the main. Huh? I know you've been sad, you've been disappointed for sure, but deep run, huh? It's a good one. This is my rail now. My rail 11 left from a bracelet. Woo! Il y a Mehdi l'enfant prodige derrière. Mais je lui dis, il n'y a qu'un bracelet, il n'a pas compris. Il a pas compris. Mehdi est ultra cheap, il a 3 average. 1,5 million. Il a 1,5 million, il m'a dit. Ouais. Hello. I think it's you. Great. Allez, Mehdi, allez. Allez, là. Me the... Bad world. Gross pit. Yeah, that's me. Welcome. Nice to meet you. Pit. Ah, yes, hi. I'm saying all of this. Bad word. So it's 5 big blind, right? Yeah. Oh,
La finale du main event avec le copain Mehdi. Main event de rien du tout. Du main event, c'est notre main event ça. C'est 1000 euros avec un bracelet à la gagne. C'est le plus cher qu'on a joué de tout le festival et alhamdoulilah on est en TF. Voilà. Il veut pas comprendre qu'il y a qu'un bracelet qu'on pourra pas le partager en fait. Il a une tonne de jetons, il a genre 1 million 6, je vais avoir 500 000. Eh Mehdi, on swap 30% ou pas? Moi je la tente hein. Quoi, t'as pas confiance en mon niveau de jeu? C'est mon titre du vlog, je suis en table finale WSOP avec le meilleur joueur du Maroc. Je suis en table finale WSOP, titre du vlog. Jacques, je suis en table finale WSOP. Oui, this is for the final table. Ouais. Et ouais, j'ai travaillé toute ma carrière pour en arriver là et je suis maintenant en table finale WSOP. Merci. Ok, no problem. No, but this is a horrible place to play a final table. We gonna finale. Là-bas. Merci. Merci, Jack Eiffel, the boss. Ta finale, nice table. Ta finale, nice table. Ça marche. I want the bracelet picture for my Instagram to make likes. Next. No, of course I want a bracelet. Pouce bleu. Pouce bleu. Thumbs up. It's like thumbs up on YouTube. Pouce bleu. Pouce bleu. Pouce bleu. Pouce. 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 Bleu. Because it's blue on YouTube. Pouce bleu. Pouce bleu. En plus, il va faire un cours par semaine sur mon site pour des MTT, pour des mecs MTT. Et le but, c'est de prendre le groupe et de faire gagner un gars 50K. Ouais, genre en stacking, un stacké quoi. Mais après, le gars, si jamais il est bon, on continue. Si le mec il est bon, il fait des perfs, machin, je continue, tu vois. Ça me fait un mec de plus dans la team, tu vois. C'est lui qui va choisir chaque mois, il va choisir un gars. Yo, n'oublie pas de t'ajouter des points. Hossein! Woo! How are you? It's Omar! No, I'm just kidding. I can't. I'm just kidding. Say hello for my vlog. This is for my YouTube channel. Here also. Hello. And this is for King's Casino. Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la viande. À Morlaine. Où est-ce que frérot? Bon, je fais 6ème, pas le bracelet pour cette fois, mais c'est cool, les jetons vont à un ancien membre de PokerPro.fr, Mehdi, qui est chip leader, et j'espère qu'il va en faire bon usage, ça ferait plaisir. On a déjà eu un membre de PokerPro.fr qui a gagné un bracelet WSOP ici à Rosvadov, Romain, et là, ça serait bien que Mehdi le fasse. C'est évidemment frustrant parce que je suis si prêt, et en même temps, bon, il restait encore 6 joueurs, donc c'était pas non plus deuxième. Je suis vraiment pour Mehdi maintenant, et good luck à lui. Good luck, guys. Ciao. Big win! Alela! 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 Non, j'ai perdu! Il m'a tapé la gueule, Rodan Dandy. Il fait flush.
Bah, en vrai, c'est frustrant de fou, tu vois, parce que forcément, il y a un petit bracelet à la gagne, on a tous envie de le gagner. Il y a quand même quelque chose de représentatif à travers le bracelet. Petit lot de consolation, évidemment, le prize. Après, ça fait pas break-even le festival, mais c'est déjà ça. Alors, en vrai, j'étais très content de l'éliminer, hein. Je vais pas te mentir, c'est un adversaire comme un autre à la table, du coup, plus plaisir de Bestéyo. Pas particulièrement. Non, j'ai bust. Bah oui. Bah non, mais en vrai, c'est comme tu veux, hein. Ça fait, je pense, 3 ans maintenant que je joue. Bah après, je joue depuis plus longtemps avec mes copains, etc. Mais ouais, on va dire officiellement, entre guillemets, ça fait genre 3 ans, ouais. Un peu avant le Covid, quoi. Je jouais un peu dans les cercles parisiens et après avec le Covid, forcément en ligne, tu vois. Donc ouais. Ouais, ça fait ce laps de temps-là. La plateforme Poker Pro, pour avoir les bases pour commencer, c'est toujours une bonne chose, quoi. C'est toujours une bonne chose pour commencer, ouais. Ouais, je jouais le main 2 fois, hélas. Rien de fou. 0.0, rien de spécial. Bah forcément, je pense qu'ici, c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est un peu un bracelet en bois, mais ça a pas, je pense, la même ampleur que gagner un bracelet à Vegas, tu vois. Donc voilà, c'est un petit bracelet. Ma prochaine... Je pense Prague. Prague pour le PT. Prague en décembre pour le PT. Ouais. Merci, c'est cool, frérot.